Ah, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est mardi le 23 décembre 2020, 20h30, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si il y a des bonnes raisons pour trouver que ça va mal. Vraiment. Donc, malgré tout ça, on va passer à travers, on l'espère, sans trop d'échymose. Pendant ce temps-là, je vous ai dit qu'on était le 23 décembre 2020, 20h32, heure du Québec. On est à 2 jours de la fête de Noël. Et à quelques jours de la fin de l'année, et pour en rajouter un peu dans le jeu des prévisions, des prédictions apocalyptiques, on va aller voir les dernières concernant Baba Vanga. Et c'est le Mirror qui nous rapporte ses prédictions pour 2021, d'un remède contre le cancer à la maladie de Trump. Baba Vanga, de son vrai nom, Vangelia Gusterova, a été surnommée la Nostradamus des Balkans, pour ses prédictions bizarres qui regardent la fin du monde en 5079. Donc, on a encore un peu de temps devant nous. Les prédictions d'une voyante aveugle pour 2021 ont été révélées après avoir, elle, apparemment prédit le 11 septembre et le Brexit, malgré sa mort des années plus tôt. Baba Vanga, de son vrai nom, Vangelia Gusterova, a été surnommée la fameuse Nostradamus des Balkans. Elle a perdu la vue, à l'âge de 12 ans et a affirmé qu'en même temps, elle avait pris conscience qu'elle lui avait donné un cadeau très rare de Dieu pour voir l'avenir. Elle a prédit que l'univers se terminera en 5079 et aurait révélé des incidents dans les années intermédiaires. Elle était au courant de la dissolution de l'Union soviétique, de l'attaque du 11 septembre 2001, de la mort de la princesse Diana et de la catastrophe de Tchernobyl et aurait eu raison de 85% de ses prédictions. Juste avant sa mort, à l'âge de 85 ans, en 1996, elle a déclaré que 2021 serait l'année de la découverte d'un remède contre le cancer. Baba Vanga a déclaré au début du 21e siècle, l'humanité se débarrassera du cancer. Le jour viendra où le cancer sera lié par des chaînes de fer. Mais les choses ne vont pas bien pour le président Donald Trump alors qu'il quitte la Maison-Blanche, car Baba Vanga a déclaré qu'il souffrirait apparemment d'une maladie mystérieuse. Elle a affirmé que le 45e président des États-Unis tomberait malade d'une maladie mystérieuse qui le rendrait sourd et causerait un traumatisme crânien. Ses prédictions farouches affirment également que l'économie européenne tombera, qu'une tentative d'assassinat sera menée contre le président russe Vladimir Poutine, par quelqu'un dans son propre pays, des extrémistes islamistes organiseraient une attaque en Europe. Elle aurait affirmé les extrémistes utiliseront un arsenal d'armes chimiques contre les Européens. Baba Vanga a ajouté, le monde souffrira de nombreux cataclysmes et de grandes catastrophes. La conscience des gens va changer. Des temps difficiles viendront, les gens seront divisés par leur foi. Nous assistons à des événements dévastateurs qui changeront le sort et le destin de l'humanité. Il semble que la femme bulgare ait eu des choses amusantes à nous dire. Elle a dit que lorsque la production d'essence s'arrête, les trains voleront en utilisant la lumière du soleil. Wow! Elle a ajouté, « La production d'essence s'arrêtera et la Terre se reposera. » Sa prédiction la plus étrange est cependant qu'en 2021, un dragon envahira la planète. Elle aurait dit, un dragon puissant s'emparera de l'humanité. Les trois géants vont s'unir. Certaines personnes auront de l'argent rouge. Je vois les nombres 150 et beaucoup de zéros. Ces paroles ne semblent pas devoir être prises trop littéralement. Les interprètes supposent que le dragon est la Chine. Les trois géants pourraient être la Chine, la Russie et l'Inde. Et l'argent pourrait être les billets de 100 yens. Ou 100 yuan, pardon, et des roubles, et des 5000, et de 5000 roubles qui sont tous deux de couleur rouge. Elle pense également que dans les 200 prochaines années, nous aurons pris contact avec, tiens, des extraterrestres, elle a prédit, la vie dans le cosmos sera découverte à tout coup. Et tout à coup, il sera clair comment la vie sur Terre est apparue pour la première fois, ajoutant que les gens entreront en contact avec leurs frères et sœurs spirituels d'autres mondes. Seul le temps dira si Baba avait raison. Vraiment fascinant, mais beaucoup, beaucoup de,
de choses qui ont beaucoup de rationalité, de logique. Je vous laisse le lien du Mirror dans la boîte de description. Vous irez relire ça par vous-même. Fascinant.